Cette porte me fait peur. J'ai vraiment aucun souvenir. Mais quelque chose me dit que c'est pas bon signe. Pas du tout. Ça doit faire mal. Ah, j'aurais bien voulu un petit QTE là. C'est un peu trop facile. あだうちはてめえで勝手にやるね。最初からそのつもりだ。大体てめえの敵ってのはどこのどいつなんだ？ん？乱帝だ。乱帝。乱帝。 知ってるのか？ああ、やべえ組織だ。知ってるなら教えろ。修験達は何者なんだ？香港のボスだった男さ。今落ちぶれたらしいがな。じゃあ、この鳳凰鏡のことは？鳳凰鏡。もう一枚、竜の鏡もあった。だがそれは乱帝に奪われた。 乱帝が竜と鳳凰一対の鏡と死ゆもんか。やべえ裏がありそうだな。また金の匂いがプンプンしてきたぜおい。とにかくこいつをなんとかして、ラチが開かねえ。夜が明けたらアジトに戻る。それまで一眠りだ。 Oh putain. C'est une phase que j'ai dû recommencer plusieurs fois, je crois, celle-là. Avec un freeze QTE. Non? Et que ce coup-ci, je passe en une seule fois. Bonjour, c'est nous. Lin, bien, mais à me aller là. C'est
ここのところへ行けば何か手がかりがつかめるかもしれません。ゴー、ゴー長屋のゴーのことか。はい。ゴーって男を知ってるのか。取引だ。公共の秘密が分かった時、分け前もある。好きにしろ。 Hey, salut tout le monde, c'est Ryusuke et je vous souhaite enfin la bienvenue pour ce 23e épisode de notre aventure commentée sur Shenmue 2. J'espère que vous allez bien, j'espère que je vous aurai pas trop fait attendre. Ouais, c'est un petit peu en anti les sorties de vidéos en ce moment, je sais, c'est pour faire court, c'est le bordel. Voilà, très clairement, j'ai des changements d'horaire niveau boulot qui vont pas dans mon sens. J'ai eu quelques petits changements aussi à cause de vie familiale, mais bon, enfin bref. Tout ça pour dire que je suis là, je sais pas pour combien de temps, je sais pas si comment ça va se dérouler, tout ça, bref. Enfin, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Par contre, au niveau des sorties des vidéos cette semaine, vous aurez une vidéo sur Shenmue 2, vous aurez une vidéo sur Skies of Arcadia, vous aurez la vidéo tuto et éventuellement une dernière petite vidéo histoire de faire 4 vidéos dans la semaine. Je suis pas encore sûr de ce que je vais faire, je suis pas encore sûr de pouvoir faire la 4ème vidéo, mais si c'est là, bah écoutez, c'est là et c'est tant mieux. Allez, on ne va pas camper ici plus longtemps, on va enfin continuer notre aventure, on va pouvoir tracer, puisque cette partie-là, on l'avait déjà fait, je préfère la reprendre un petit peu avec vous avant de continuer quoi que ce soit. Et puis, ben, on va voir sur quoi on va tomber, tout simplement. Eh ben, écoutez, vous savez quoi, ça m'a vachement manqué tout ça quand même. Je sais pas quoi vous dire pour vous prouver à quel point ça m'a manqué, mais ça fait vraiment super plaisir de pouvoir vous retrouver, ça fait vraiment super plaisir, ça y est, je commence à mélanger les mots. Ça fait vraiment super plaisir de pouvoir vous retrouver pour pouvoir continuer tout ça, toute cette aventure et tout. Et on se lance et reparti, on y est. J'ai l'impression de pas du tout me répéter, mais pas un brin. Et puis, comme dirait Auron de Final Fantasy X, no time to waste, let's go! Ah, ces musiques, putain, ça fait plaisir. Ah, vous pouvez pas savoir. Allez, alors, c'était celui-ci, c'était quel étage? Non, c'était celui-ci, c'était pas le 9ème étage? Hop, demi-tour, Ryo, s'il te plaît, j'aimerais récupérer, voilà, merci. Alors, tea break, passer devant les deux restos, non, c'était l'autre côté. 902, c'est ça, 9ème étage. Oh, c'est pas beau, ça. À peine j'arrive, l'ascenseur est déjà là. Magnifique. Je sais pas pourquoi, mais ça sent le piège. Je sens que ça va s'arrêter avant. Enfin, je peux me tromper, mais... j'ai une sale intuition. Je sens qu'il va falloir balader d'ascenseur en escalier. Qu'il va y avoir des endroits où on va pas pouvoir passer. Je peux me tromper, hein. Je peux très clairement me tromper. Par contre, cette musique, je l'aime pas. Mais vraiment pas. En fait, j'ai dit 9ème étage. Mais c'est pas le 9ème étage. C'est le 8ème. Bah oui, parce que si on part du principe que... on est dans le mode des étages anglais. Enfin, là, c'est plutôt chinois. Mais bon, on va partir de ce principe. Oui, je marche, comme ça, moi, je peux vous parler tranquillement en même temps. Je suppose que je dois parler à lui, donc on va faire une petite pause. En fait, le premier étage correspond au rez-de-chaussée. Donc, si le premier étage correspond au rez-de-chaussée, ça veut donc dire que... We moved to the rooftop. D'accord. Bah, c'est cool, mec. Donc, vous avez compris, ça fait un étage en moins, quoi. Bonjour. この辺の鳥屋なら全部ついこの間奥堂に移転したんじゃ。え？あんたみたいに間違えてくるもんがたまーにいるんだわ。俺
ここでひたすら屋上の鳥屋を案内してるってわけだっぺ。時給3ドルのアルバイト、これだけ暇じゃ仕方ないわ。そうですか。OK。OK。OK. Bon. Alors je sais ni où je vais, ni pourquoi, ni comment. Je sais pas si je suis dans la bonne direction. Oh là là. Merci la bouillie de pixels. 907, on n'y est pas. On va continuer un petit peu plus. 905, je suppose. Non, 906. 905. Bon, alors ça doit être par là. 902. Bah oui, évidemment. Le seul endroit où ça brille pas. J'aurais dû y penser. On y est. Bah juste à côté de toi, Rio. C'est... Non, je veux pas le frigo. Voilà. Alors... Ah ben fouillons. On va commencer par le bureau. Non mais c'est pas ce que je voulais regarder, voilà. Un micro. Pourquoi pas? Non mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, ferme-moi ça. Ce briquet m'intrigue. Je veux pas... Voilà. Je voulais juste voir le symbole qu'il y avait dessus. A priori rien d'intéressant. Le tiroir ici. Oui, a priori, rien d'intéressant. Oh là là, que les animations sont lentes. Autant pour tirer le tiroir, ça réagit, je vais pas dire pratiquement de suite. Mais alors, pour le fermer, c'est une autre histoire. Ok, bon, allez, on a rien ici. Oh là là. J'ai envie d'éternuer depuis tout à l'heure. Non. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Rien d'intéressant du moins. Fouillons peu, fouillons bien. Oh, des tournevis! Putain, oh, une caisse à outils dans un tiroir! Ah ah! Et ça, c'est là, déjà. Je suppose qu'il y en a qui savent qu'on est déjà ici. Non. On referme ça. On n'a pas besoin d'avoir des cassettes. Des VHS, excusez-moi. Rien ici. Ok, allez, c'est bon. Rio, ferme-moi tout ça. Alors, bon, ce côté-là, a priori, on n'a rien trouvé.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh la poubelle, tiens, ça me donne envie de fouiller ça. Je fouillerais bien sous le lit, je sais pas pourquoi. Ah oui. Ah, remarquez, le lit, on le déplace peut-être. Non, il n'y a rien. En douceur et délicatesse. Je sais pas, j'ai comme l'impression que le lit va falloir le bouger. Et tout à l'heure, Rio est allé droit sur le frigo. Je suis trop prêt. Allez. Non mais commencez pas à foutre des trucs comme ça, là, des jus de fruits, des je sais pas ce que c'est, mais c'est peut-être de la bière ou autre chose, là. Putain, vous allez me donner faim, vous allez me donner soif, là. Et là, il y a un cadavre. Non. Ok. Non, ça traîne un truc avec le lit, je le sens bien, là. À ce niveau-là. La poubelle, juste un peu plus bas, Rio. Oh là là, ah, ces caméras. Et j'espère que vous allez prendre en compte ça hein, dans le 3. Parce que c'est juste horrible. On est devant pour pas regarder jusqu'à ses pieds, quoi. Oh, des cassettes audio. Ah. Ah. Bon bah c'est bon. A priori on a ce qu'il nous faut. Maintenant ça me revient, on va fouiller toutes les cassettes une à une. Ah carrément ouais, même pas tu me laisses le choix. C'est tu repars là-bas. Au fait, je suis allé fouiller chez l'autre et j'ai remis une poubelle. Itachi, putain de cette vieille marque. Oh là là. Faut s'imaginer que sur chaque côté d'une cassette comme ça, pour ceux qui ne le savent pas, il y a environ 45 minutes d'enregistrement d'un côté, 45 minutes d'enregistrement de l'autre. Ce qui fait 1h30 d'enregistrement par cassette. Minimum. Laissez-moi deviner, on va voir quelque chose là-dessus, hein? Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Are you fucking serious?
Je lis des textes en même temps. Hein. Vous inquiétez pas, je suis pas décédé derrière mon micro. Hein. Ah, c'est angoisse. Oh là là. Il n'y a pas un endroit qui me dit vas-y, va là, parce que là, très honnêtement, là, j'ai envie d'appuyer sur... Oh putain! Allez, bla 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 bla. De la friture. Je vous assure que je sais pas où chercher. Ah merde. C'est génial ça! Ah, ça s'arrête automatiquement, très bien! J'ai envie d'appuyer! Oh là là. Je peux l'arrêter? Je tiens pas à ce que ça aille. Merci. Oh là là, je sais pas quelle voix je dois écouter, je sais pas ce que je dois faire, je sais pas. Hop, passe-moi ça. Non mais je m'en fous de ça. Allez hop, suivant. Non, je t'écoute pas.
Oh putain, allez. Ça prend putain de piaf là. Voilà. Oh. Je crois qu'on a notre indice là. Putain, on aura fouillé, hein. ユアンに。やべえな。だが、トギがまだ修験達の居場所を掴んで。ユアンを探す。手下が口を取る俺だ。時間がねえ。手分けして探すぜ。 Oh putain, c'est pas simple cette histoire, je vous le dis. Je vais pas dire qu'on était au point mort avec la recherche de ce qu'on allait trouver des indices sur cette bande. Je me baille en même temps, je suis désolé. Mais alors, oh putain, qu'est-ce que c'était laborieux, qu'est-ce que c'était chiant, qu'est-ce que je savais pas où je devais fouiller, qu'est-ce que tout? Qu'est-ce que tout? Alors, l'associé de Zou a été capturé par Yuan, l'a trouvé avec l'aide de Ren. Je veux bien, mais il est où? Ren? Ah putain, il fait chier ce mec. Je l'aime bien, c'est pas un mauvais gars, mais alors. Oh là là, putain. Et quand t'as besoin. Oh. J'aimerais bien, mais il faut que j'y aille. Ça, je suis désolé. では。 Are you fucking serious? T'as un mec, tu vas faire tomber la pluie là. Oui. そうですか。目は見えぬが、風や音が求めるものを教えてくれることもあります。音？そういえばテープに鐘の音が。ありがとうございました。この辺で鐘の音が聞こえるところ知りませんか？鐘の音なら百四郎で聞いたことが。百四郎、わかりました。ありがとうございます。Oh putain! Les gens, je vous déteste. Oui, surtout toi là, le monsieur là que je viens d'avoir là.
Je l'ai, est-ce que je ne l'ai plus? Ok. Alors si je l'ai, je l'ai. Allez, je charge, je m'en bouge tout. Alors, bâtiment Moonchild. Y a pas un minot? Je veux un minot. Un gosse. Est-ce que je le prends celui-là? Ou est-ce que je le prends pas? Non, 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 allez hop. Bon, allez toi. Ah, flûte! Juste là. Non. Non. Bah, j'allais dire qu'il allait se mettre à pleuvoir là et tout là, blablabla. Blablabla. Bon, allez, on va lui demander. Bonjour. Moonchild. Faut passer là derrière, j'imagine. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Dans le quartier du stand, d'accord. Pas que tu m'apprends rien, mais... Dimson, ok. Donc, on n'est pas encore arrivé. Donc, on a encore pas mal de petites choses à faire. Bon, je suppose que si je passe devant, Rio va s'arrêter. Y a pas un gamin là? Sérieusement, je veux un gamin. Par contre, j'ai pas le plan d'ici, ça m'ennuie beaucoup beaucoup. Merci. Ok, c'est vraiment court comme zone en fait. Alors. D'accord. Je vais continuer par là. Bonjour. Au revoir. Je baisse un peu le son de mon casque. C'est en train de me ruiner les oreilles. Fighting Place. Quelque chose me dit que je suis pas du tout au bon endroit. J'aurais dû demander mon chemin. Même un vieux, tant pis. Salut. Oh non, 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 c'est bon. Non mais je veux pas. Pas maintenant du moins. Vous êtes mignons les gars là. Oh putain ouais, ça fait du monde quand même. Ah ouais. Bon enfin. J'étais pas là pour ça. Je reviendrai plus tard. Ok, ce coup-ci, on est dans le bon. C'est le bon plan? C'est le bon plan.
役に立ちそうだ。Ah, elle est sympa cette montagne. Alors, c'est quoi ? C'est ça ? Moonchild, parfait ! C'est quoi ? C'est le plan de l'intérieur ? Merci ! Oh ! Ok, allez, rentrons dans ce bâtiment et on va mettre un terme à cet épisode ici pour se laisser un petit peu de suspense, histoire de dire qu'on fait pas tout one shot. Même si je vous avoue que j'ai très envie de continuer. Mais ça ne sera pas plus mal. On se laisse là, comme je vous le disais. Alors je sais pas exactement ce que je dois chercher. Oh putain, 4 ascenseurs. Je sens qu'on va jongler. Je sens qu'on va se faire chier. Je sais pas pourquoi. Il va falloir trouver l'étage avec Ding Ding Dong. Enfin bref, les coupins, on se laisse là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et j'espère vous retrouver très rapidement pour la suite de cette aventure. Ainsi que la suite de toutes les autres aventures sur cette fabuleuse chaîne qui est la chaîne Ryosuke Gaming. Sur ce, portez-vous bien. À très bientôt. C'était Ryosuke. Allez, bye bye.